Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Comme vous avez pu voir, j'essaie tout simplement de pouvoir neutraliser beaucoup plus rapidement les petits farceurs avec ça. Donc c'est pas dit que je vais réussir, mais je vais essayer quand même de m'en sortir à ma façon. Je suis pas sûr si ça va m'aider. Non, négatif. Donc là j'ai le grand monstre, hein. Donc bien sûr lui, il faut s'éloigner le plus rapidement possible de lui. Sans non plus trop s'approcher, sinon je risque de décéder. On va essayer de recharger toutes ses armes. Je suis pas sûr c'est quoi qui le tue le plus facilement lui. Hein. Donc, faut savoir que c'est le plus méchant qui me reste. Donc les autres, comme vous avez pu voir, j'ai lancé quelques petits cocktails Molotov. Donc ça m'a permis tout simplement de pouvoir en neutraliser un plus grand tas. Mais c'est pas dit que je vais pouvoir réussir à m'en sortir cette fois-ci. Hein. En plus, je sais pas où il vient ou par où il va passer. Ah, il est là-bas. Donc j'observe un peu, c'est le dernier qui me manque. Hein. Donc je vais essayer encore de confectionner quelques trucs si je peux. Je n'ai pas cette possibilité. Merde, il me manque un petit ciseau. Est-ce que je peux mettre un autre cocktail Molotov? Négatif, il me manque un chiffon et de l'alcool. On le voit, il est là-bas au fond. Je sais pas si c'est une bonne idée de tirer comme ça, mais on va essayer quand même de lui mettre une en pleine tête. Non, il crève pas. Hein. C'est dingue. Hein. Je garde un peu une distance avec lui. Ouais, il m'a carrément asphyxié. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais il m'a bien eu. Il est où? Où est-ce qu'il est? Deux petites secondes, j'ai oublié de faire un truc. Désolé, hein, j'avais oublié d'éteindre le son en fait du PC. Ce qui faisait un écho. J'ai tué? Ok, on a ramassé un peu de lance-flammes. Je suis pas sûr, pour moi il est pas mort. Hein. Je vais recharger un petit peu tous les trucs qu'on a palme. Attends, il est mort ou pas le gros là? Eh, j'ai peur. Hein. Franchement, ça m'a fait sursauter. Je crois bien qu'il est mort, je suis pas certain, je vais quand même vérifier le corps. On voit très très mal. Ah, tu es mort mon petit. Hein. Bon, maintenant on peut tranquillement fouiller la zone. Ah, il avait même un médaillon. Ah, ils sont chauds quand même hein, comme monstre. Hein. Mais j'ai bien fait de lancer tous mes petits trucs en même temps. Oh là là, eh, mais c'était la partie la plus délicate. Oh, on va prendre un peu les arcs. Hein. Ok, là il n'y a rien d'intéressant. Peut-être qu'il y a une boîte de conserve hein, qui doit traîner quelque part. Peut-être là je suis con parce que je peux allumer la lumière. Oh, je me méfie parce que les kraken là. J'adore les appeler comme ça. Ils vont venir me botter les fesses. Qu'est-ce que vous en dites? Pour l'instant, ça va, on s'en sort plutôt bien. Donc j'ai tout exploré. Hein. Oh là là. Ah, les sports là. Merde, c'est fermé. En fait, j'ai oublié d'appuyer en même temps sur la touche pour pouvoir enfoncer la porte. Et là, je tombe sur un truc encore plus costaud que ça. Ça doit tenir. Et là, t'imagines, je m'embarque dans un truc encore plus tordu que ça. Attention, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Bon, des deux côtés, il faudra pousser. Oh, j'aime pas trop cet endroit. C'est bon, je peux éteindre. À mon avis, c'est un local qui doit être fermé. Faut pas que je prenne trop confiance à courir trop vite, sinon je risque de pouvoir tomber encore sur des monstres, etc. Et c'est pas vraiment dans mon intérêt. De toute façon, au cas où, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, on sait jamais. Ici, peut-être ça doit être fermé. Ah non, tout est ouvert. Hein.
Il n'y a rien. En fait, c'est exactement la même chose, j'ai l'impression. Ça, c'est fait. Donc, Ellie, elle nous attend à l'extérieur, je pense. Bon, tous les portes sont ouvertes. Mais c'est pas pour autant que rien ne peut surgir. Hein. Voilà. Enfin, nous voilà à l'extérieur. Encore désinfecté, je vais bien. Viens ouvrir la porte. Elle est où elle déjà? Elle est là-bas. Il faut la voir. Hein. J'allais partir comme si elle n'a jamais existé. Et comment tu veux que je t'ouvre la porte, toi? T'es marrante. C'est le générateur, je pense. Allez, c'est parti. Non, ça ne marche pas. Attends, le câble, il va où Vas-y, comme ouvre ça? la porte. Mais t'es marrante quand même, toi, Ellie, hein? Mais comment tu veux que j'ouvre la porte si j'ai pas tous les trucs? Comment on ouvre cette porte? Ah bah voilà, c'est de ce côté-là qu'il faut se placer. Merci. C'est bon, on va essayer de combiner les deux. Pas besoin, il le fait tout seul. Ça, c'est bien ça. À nous d'activer maintenant le générateur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Encore un coup et l'énergie est pleine. C'est parfait! C'est lui! Le portail va être ouvert. Enfin, la voilà. Ces placards. C'était des lucioles, tu crois? Non, c'est des infectés. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Ça peut être possible, ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à côté du labo. T'es pas sérieux. Mais ils m'ont rien mis. Ils m'ont même pas laissé un petit bout en Allez, fait. Bon, je fais mon petit demi-tour. Regardez, je suis sûr qu'ils ont caché quelque chose là-dedans. Non, négatif. Franchement, moi j'aurais été trop vicieux si j'aurais été développeur de jeux vidéo. Oh là là. T'es sûr et certain que je te mettrais des trucs à des endroits, mais personne pourrait y aller, hein, les retrouver. Force. Et il y a des trucs que je te mettrai en évidence exprès pour que le mec les loupe. Attention. pas de garde, rien du tout. C'est bizarre, ouais. On va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, on entre. Là, il y a quoi? Ah, là, le mec qui passe à côté de ça, il va oublier vraiment quelque chose d'intéressant dans les tentes. Déjà, j'ai repéré un truc qui brille, c'est les outils. Bon, vous allez me dire, j'en ai pas forcément besoin, parce que il me manque les pinces. Mais si j'ai pas les pinces, vous voulez que je fasse quoi? Là, il y a quelque chose. Connais Non, ce genre si. d'endroit? Quoi, à l'université? Non, en Je tout cas pas pour suis aveugle ou étudier. quoi? J'ai vu des flèches quelque part. Moi, ouais, je suis aveugle. J'étais jeune quand Sarah est née. T'as été marié? Pendant un temps. Juste un temps? Ok. C'est trop. Exact. Là, il y a peut-être enfin. Ah mais des fois ils te mettent des trucs, des objets. Et je sais pas si vous avez vu, il n'y a que des tentes en fait. Hein. Et par moment, je pense qu'ils ont mis une tente où il y a beaucoup plus d'éléments cachés. Il y a même un conteneur tout au fond que j'ai repéré, hein, qui était ouvert aussi. Hein, donc c'est fait exprès. Hein. Bon ça va, j'espère qu'ils sont pas non plus trop vicieux, qu'ils te mettent des trucs en évidence. Sinon c'est un peu chiant quoi, au bout d'un moment. Bah là, franchement, le mec qui loupe ça, c'est qu'il est vraiment aveugle. Hein. Bon, les pendentifs, ne me demandez pas à quoi ça sert, hein, j'en sais pas. Il n'y a pas de pinces. Mais mettez-les en évidence, les pinces. Là, peut-être qu'ils ont mis des pilules quelque part là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais. Non, négatif, il n'y a rien. Non plus, c'est juste un cul-de-sac vraiment bien bloqué.
Vous allez me dire pourquoi je fais demi-tour en fait totalement derrière. Vous allez voir, c'est qu'il y a quelque chose, à mon avis, qu'ils ont. Comment vous expliquer ça? Qu'ils ont dû dissimuler des choses sympas dans ce fameux conteneur dans lequel je veux me diriger. Et là, vous allez me dire, mais quel conteneur t'as vu, toi? Il y en a juste un sur le petit côté, observez bien. Là, là. Là, ouais, c'est ça, ouais. T'as vachement vu un conteneur, toi. Bah, ici, pour moi, peut-être qu'il y a quelque chose. Hein. Ouais, et comme par hasard, il n'y a rien. J'adore me prendre des sacrées crampes. Bon, c'est pas trop grave, tant pis. Eh, mais le mec, il passe toute sa vie à explorer les recoins. Bon, c'est pas grave, tant pis, si on loupe des trucs. C'est plus franchement important. Je vais essayer juste de faire un truc, une petite amélioration. 55, qu'est-ce que je peux faire vitesse des soins, on s'en fiche un petit peu. Je vais attendre de mettre des seringues. Pour ceux qui veulent mettre des seringues. Ou peut-être la santé, je sais pas. Je verrai en fait en fonction de mon humeur. Mais je pense qu'on a oublié pas mal de choses. Et c'est ça qui le déprime en ce moment. Ah, elle s'est mise là-bas. Ça veut dire qu'il faut que je poursuive. Elles sont bien barricadées quand même ici. Hein. Il n'y a rien qui brille. Dommage que ça, tu ne vois pas les objets en fait. Ça aurait été cool d'avoir cette possibilité de voir par exemple les crackers. Et de voir tout simplement aussi les objets un petit peu dissimulés. D'accord. Avec une autre couleur. Saute. Saute. Sans élan. Voilà, c'était possible. Je m'en doutais. Ça, c'est une poubelle que je dois pousser quelque part. Tu vois? Où est-ce que je vais la pousser? Où est-ce que je peux pousser cette connerie de poubelle? Ils m'ont mis quelque chose. Hein, pour que je puisse le mettre où? Waouh, casse pas tout. Ça m'étonnerait que tu mettes ça en dessous de la grille, mais pourquoi pas? Ouais, ça doit être ça, ouais. Parce que c'est fermé. Ouais, du premier coup, j'ai trouvé l'astuce. Sans avoir cherché l'endroit. C'est ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Oh, t'as vu, moi aussi. Oh non, y a rien. C'est pas vrai, y a rien. Faudrait m'expliquer, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, le cheval? Eh, le cheval, c'est pas une place pour toi. Bon, c'est pas grave. Alors, on va chambrer les cartouches. Oh, je déteste l'endroit. C'est pas bon signe, là. Il est vraiment glauque, hein, l'endroit. Hein. À mon avis, c'est cette porte-là dans laquelle on va se diriger. Je suis pas certain. Hein. Négatif, c'est pas ça. C'est là-dedans, non? Encore mieux, j'ai trouvé leur connerie. Oh putain, mais faut aller chercher loin. Tu reprends le conteneur. Et tu le colles tout doucement. Vers le camion. Et voilà, je pense que c'est ça. Ouais, bah tu vois. Là, est-ce qu'il peut monter? Oui, c'était ça. Donc les panneaux solaires. Là, il n'y a plus rien. Et là, à mon avis, il faudra que je reste très prudent. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Les amis, on fait un petit tour. Non, pour l'instant, il n'y a personne. Coup de chance. Est-ce que je trouverai une pince enfin pour pouvoir mettre mes armes au niveau 4? Ou est-ce que je vais encore tomber sur quelque chose où... Ah, enfin, il y a peut-être quelque chose dans ce tiroir. Ne m'attire pas trop les zombies, s'il te plaît, Ellie. Hein. Sinon, je pense qu'on va regretter de nous avoir aventurés ici. Ah, une caisse à outils, s'il te plaît. Purée, il n'y a pas... J'espère qu'ils vont la mettre en moins en évidence. Ouais, tu vois, mais c'est bien, mais je suis pas au niveau supérieur. Oh, c'est chiant. Bon, je passe quand même de l'autre côté.
Je veux fouiller, de toute façon, je vais revenir améliorer les armes, mais il faut que je trouve la boîte à outils. Si un jour elle existe, cette boîte. Non. Ok, ça s'est récupéré. Y a quoi d'autre? Là, ça va, y a pas. J'observe un peu parce que des fois, il y a des choses qui brillent. Et j'ai tendance à louper. Ok, une porte peut-être, ça doit être fermée. Les Lucioles! Crie pas plus fort. Hein. De l'humanité. Elle m'a fait flipper comme elle a gueulé. On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ok, j'ai compris qu'il y a quelque chose là. Désolé si j'explore un peu comme ça. Hein. J'espère juste qu'il n'y a pas une cinématique qui va s'enclencher, sinon franchement je vais être déçu. De pas pouvoir améliorer mes armes. Ah, négatif. Je pensais que c'était ça. C'est vrai, mais c'est trop beau de rêver, hein, des fois. Hein. Oh, donne-moi des pinces. C'est pas vrai, mais ils les ont planqués où, leurs pinces? Dis-moi que ce bureau est condamné, que je peux l'ouvrir. Ah, là, ça va être intéressant. Un manuel. Cool, on pourra améliorer quoi? Cocktail Molotov amélioré. Et bah voilà! J'avais raison de les voir ces pinces quelque part. Heureusement que je suis franchement une fouine. 50! Oh là là, c'est génial. Je te surkiffe. Et oh là là, j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba là-dedans. Enfin! Ah, c'était pas trop tôt quand même. Hein. Je pense que j'en ai dû oublier une comme ça une fois. Mais non, je pense pas. Hein. Parce que niveau 4, on est franchement pas tout à fait à la fin, mais on s'en approche. Je pense que c'est vraiment plus tard qu'il va nous mettre des trucs intéressants. Bon, on va enfin améliorer les armes du niveau 4. Ça fait vraiment plaisir. Allez, à toi de jouer, mon petit. Que cet emplacement fera l'affaire. Sans sa conduite, par contre, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, lance-flamme. Niveau 4, rechargement plus rapide. Portée, puissance. Puissance, c'est 5. Bon, on va prendre plutôt... 40-40, bon, tu sais quoi, on va pas s'embêter, je vais utiliser très fréquemment lance-flamme. En chargement, tant pis pour les autres armes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, portée? J'utilise laquelle le plus, moi? Moi, en fait, je vais me baser depuis le début. Là, il n'y a rien, ça m'intéresse pas forcément le pistolet, celle-là, à fond. Ça, on l'utilise très peu. C'est pas nécessaire de pouvoir améliorer ça. Le recul, je m'en fiche un petit peu. La lunette. On va mettre une autre lunette, plus puissante peut-être. Puissance, merde. Il me manque un peu. Portée, recul. Chargeur de grande capacité. Bon, l'arc, on met quoi, la portée ou pas? Il me reste 13. Et avec ça, tu peux te coiffer, il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas, ça va. On s'est amélioré un petit peu quelques armes. Et on y va. Donc c'est totalement de l'autre côté qu'il faut que j'aille maintenant. Mais heureusement que j'ai trouvé le truc à 50 là. Et là je rigole si je trouve encore un autre truc. Ce serait rigolo ça. Qu'est-ce qu'elle a trouvé elle? Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Et ouais, bah voilà, les ennuis commencent, les amis. En plus, j'ai un cocktail Molotov amélioré. Je vais juste voir si je les ai mis. Non, négatif. On va se mettre un petit peu d'alcool. On va se mettre des explosifs supplémentaires. Non, non. Fumigène histoire de faire passer tout ça. Arme de mêlée. Non, c'est bon. Maintenant, à mon avis, il y a quelque chose à faire après avec les ascenseurs. Je suis pas certain, mais pourquoi pas. Je prends le lance-flamme, hein, sachant que ça reste quand même la dernière arme que j'ai débloquée. Là, il n'y a rien. Hein. Vous êtes prêts pour les monstres?
Faut secouer la manette, j'avais oublié. Vas-y tout seul, hein. J'y vais pas. Là, il y a quoi d'intéressant à explorer? Non, il y a rien. Ah, si elle va là, ça veut dire que je peux passer par là. Attention, j'ai entendu quelque chose là de ouf. S'ils mettent des briques, c'est-à-dire qu'il y a des monstres quelque part. Ah, s'il ouvre tout doucement la porte, les amis, je sens qu'il y a des kraken ou des monstres assez... Mais pourquoi il ouvre comme ça les portes s'il n'y a rien? Merci pour la crampe, il y avait rien d'intéressant ici. Là, il n'y a rien. Là non plus. Ah, peut-être que dans ce tiroir, je trouverai un peu mon bonheur négatif. J'entends un peu comme des rats. Et là, tu tombes sur la caverne d'Ali Baba, c'est sûr et certain. C'est ça. Non, il n'y a rien. Oh, c'est pas bien. Là, c'est sûr et certain que j'ai dû oublier des choses. C'est fou comment il faut fouiner, hein. Merci pour le tiroir vide. Je m'en souviendrai toute ma vie. Toute mon existence se résume à ça. Ah, regardez. Par contre, là, cette fois-ci, ils me mettent plus en plus de boîtes. Pourquoi ils ont pas mis ça au début, carrément? C'est quoi, ça? Ah oui, un petit Chocopops. Là, il n'y a rien pour l'instant. Alors. Eh, mais ils me mettent de plus en plus de pilules, hein. Ah, des balles. Enfin, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'action. Hein. T'aurais pas pu me le mettre plus tôt, ceux-là? Ellie, j'arrive dans pas longtemps. Donc j'ai exploré ce côté-là, il me reste l'autre côté à explorer. Hein. C'est bon signe, non? Non. Faut qu'on trouve où ils sont allés. Oh, merde! Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Des claqueurs? Moi, j'aime les appeler craqueurs. Parce qu'en fait, ils font crac-crac à chaque fois dès qu'ils ouvrent leur gueule, là. Oh, regardez tout ce qu'on peut ramasser là. Oh, merci pour la feinte. Je peux pas les ramasser? Ok, c'est juste un élément de déco. Rayon X. Ok. On va se faire surprendre dans quelques instants, à mon avis. Qu'est-ce que vous en dites? Là, j'ai pas envie de faire des cauchemars après. Hein. Est-ce que je suis bien équipé? Donc, cette porte-là, ça va pas être bon. Donc moi les amis, je vous retrouve tout de suite pour la suite, sinon vous n'allez pas dormir, ok? A tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.